nous ouvrons cette grande retraite de fin d'année. Et cette retraite est unique chaque année parce que c'est une période où tu visites ton peuple. C'est aussi une période où tu ouvres les portes pour l'année qui vient. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, afin que comme des instruments, nous puissions être dédiés devant ce peuple. Et le travail que nous voulons faire, Seigneur, ne soit pas la routine, ne soit pas l'habitude, mais qu'un plus soit ajouté dans la vie de cette grande assistance que tu as sauvée par ton sang. Nous condamnons tout esprit qui n'est pas des dieux en ces lieux. Nous les nions et nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, sois le seul maître ici. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons saluer la présence de notre Dieu. Je suis heureux ce jour de pouvoir ouvrir cette grande retraite de fin d'année 2020. Alors que je priais pour que le Saint-Esprit m'inspire, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre une chose très importante. Beaucoup de gens ont fait ce retraite. Beaucoup de nos membres, les chrétiens de notre ministère, de notre église, ont participé à plusieurs retraites de fin d'année. Et ils n'ont pas pu vivre quelque chose de spécial au point que cela est devenu une monotonie. Alors je devais continuer à prier, à rester devant l'Éternel pour qu'il m'explique pourquoi. Alors le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que beaucoup de gens font de retraite, mais le résultat est moindre tout simplement parce que leur cœur a des problèmes. Quand le cœur a des problèmes, tout ce que tu fais comme prière est nul. C'est pourquoi notre thème de la retraite est ainsi libellé. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans la vie chrétienne, le cœur est au centre de tout. Dieu ne traite pas avec la chair. Il traite avec la chair qui est conduite par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il n'est pas effrayé, il n'est pas intimidé par ce que nous faisons de l'extérieur. Et il ne va plus loin pour dire que les choses de Dieu ne se font pas charnellement, parce que c'est spirituellement qu'on doit comprendre Dieu. Ainsi, chacun de nous doit retenir au début de cette retraite la réussite de la retraite dépend de l'état de ton cœur. Si le cœur est au
souffrir. Ceux qui votent malheureux à côté de ça. Si le cœur est méchant. Ceux qui votent malheureux à ma mère. Ne t'attends pas à quelque chose de spécial de la part de Dieu. Cause là, l'idole pas la motouille à tes côtés, pas une enzambé. Si tu peux expérimenter quelque chose. Surtout les livres au monde, l'idole pas. S'il peut arriver que tu expérimentes quelque chose avec ton cœur mauvais. Ceux qui évoquent au monde, mais là, il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup. C'est un problème de la providence divine. Parce qu'il fait pleuvoir et sur le méchant et sur le bon. Et si tu veux sortir de l'ordinaire, vivre quelque chose de grand et de spécial au travers de cette retraite, comme les hommes du temps de la Bible, il faut absolument revoir l'état de ton cœur. Et c'est une délibération à l'enlever à mon témoignage. Ainsi, pour vous permettre de vous plonger, dans la pensée de Dieu, je vais développer cinq pensées. Na côté de Sanzeramitam. Premièrement, je voudrais vous donner dans cette introduction l'anatomie de l'homme selon Dieu. Quelle est l'anatomie de l'homme? Nous répondons en lisant 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 23. Et le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, il commence à éliminer l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Pour Dieu, voilà l'anatomie de l'homme. Voilà comment l'homme est fabriqué. Voilà comment l'homme est créé par Dieu. L'homme est tripartite. Le corps, l'esprit, et l'âme. L'esprit, en d'autres termes, c'est l'intelligence. C'est ce qui nous différencie des animaux. Les animaux fonctionnent selon l'instinct. Ils ne peuvent pas innover. Ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas révolutionner. Ils ne peuvent pas créer ni inventer. Alors, Dieu a donné cette capacité. L'intelligence de l'homme, c'est la partie mâle. C'est la partie qui reçoit les informations. C'est elle qui reçoit les connaissances. Et dès que les connaissances sont captées par l'intelligence, ils vont loger dans le cœur. Et dès que le cœur reçoit les connaissances, elles sont traduites par les pensées ou les sentiments. Les pensées qui montent du cœur de l'homme sont la résultante, sont le résultat de ce qu'il a
perçu par son intellect, par son esprit. Et Dieu nous a créés avec cette capacité de capter les informations et les garder dans notre cœur. Ainsi, le cœur qui a reçu les informations les transforme en pensée, les transforme en caractère, les transforme en sentiment. Maintenant, le corps va commencer à être traîné par les pensées et les sentiments qui sont dans le cœur. Si kawa, nzoto ekobana kokambama, kolandisa, posa, mabanzo to esaleli oyo efanda na motema. Si je te vois encore dormir, je vais citer ton nom. Soki na mondo lali lisusu nakotaka kongo na yo. Parce que pendant cette retraite, il y a deux positions. Ou tu es dans la sorcellerie, ou tu es venu pour nous sorcellerie. Bon, en fait, ça m'a beau de dire que les gens qui ont été balayés, soit vous allez nous dire, toi et vous avez été. Tu es dans la sorcellerie, venu pour nous sorcellerie. Vous avez été dit, toi et vous avez été balayés. Ce qui ne va pas réussir. Mais au colonne à côté, ou on t'a envoûté. Toi, pas au locaillot. Et tu es venu ici. L'ennemi a tout fait pour que tu n'entendes rien afin que tu sortes comme tes enfants. J'étais en train de dire le cœur qui a enregistré des informations et nouvelles, des informations, des connaissances. Quand le cœur a magasiné cela, c'est ça qui forme sa vie. C'est ça qui forme son caractère. Pour les choses qu'il a acquises le rendent méchant, ou ces choses le rendent bon. Est-ce que vous êtes là? Bozawana. Ainsi, la partie mal, qui est notre intelligence. Il y a mon intelligence, 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 il y a mon. Et le cœur. Namotema. Ensemble, ça forme ce que la Bible appelle l'homme intérieur. Si votre homme intérieur est souillé par les informations emmagasinées, par les nouvelles, par les connaissances dans lesquelles vous marchez, ne vous attendez pas pendant cette retraite de vivre quelque chose de spécial. Pendant cette retraite, Dieu va t'apprendre à bien garder ton cœur. Pour qu'il soit pas souillé. Pour qu'il soit pas tortueux. Pour éteindre la matière. Car un cœur tortueux ne peut pas prier. Pas bâtir mon thème et t'aider de la terre. La justice du monde, c'est bon, mon kiloyo, juge à partir de faits. Et sans qu'il s'en applaudisse à ma table, vous allez comme on en a. Il s'appuie sur les preuves, papa. Et ça, elle est vendue à Nicolas et à ma table, il est bon, oui, bon, il s'en applaudisse. Tu es quelqu'un ici. Oh, oui, comme awa, il n'y a personne qui t'a vu. Moutamoni, okay. Tu fais 10 mètres. Otamoni, atana, 10 tu mètres. Rencontres quelqu'un. Okutani, moto. Il te dépasse et trouve le corps que tu as de la personne que tu as tuée. Alekiyo, atia, kouni, zote, ya, moto, bomi. Et il a la présomption que ce toi qui l'a tué, en faisant des analyses,
comment ça m'a passé une minute, je l'ai croisé et je trouvais cet homme dans cet état, ce que lui aussi l'a trouvé, si ce n'est pas lui, c'est qu'il connaissait qui est arrivé à ses yeux. Boni na uti ko le kamuto na sika wa bongeli kata minite na kute bebe ao se ke soke zaye muto abomite se kamoni na nyabomie. Il t'a cru devant la justice. A kofundo ni gozo na zuzi. Et quand vous serez devant les juges. Na tango kome gozo na zuzi. Les juges vont lui demander est-ce que tu as des preuves que ce n'est pas. Van zuzi ma kotuna est-ce que yoza na bilembo zo tel se ke yine muto abomie. Faute de preuves. On va absoudre ce coupable. On va le justifier. On peut même chanter la victoire. Mais devant Dieu, il ne juge pas seulement les actes. Et lui, il va jusqu'à juger même les pensées. Tu es déjà dans la pensée de faire du mal à quelqu'un, Dieu voit et te juge. Maintenant, on a dit que la maman est ma mère, que ça, on a dit que ma mère est ma mère. Si dans la pensée de sortir avec une fille ou un homme, Dieu voit déjà la pensée et sanctionne. Maintenant, on a dit que ma mère est ma mère, mais maintenant, si dans mon bal, les ambas, on a dit que ma mère est ma mère. C'est pourquoi le cœur est très important dans la prière. Il y a un mot maintenant dans mon tour et la mère est ma bonne délire. Les pensées qui logent là. Ne peuvent pas loger au même moment avec le Saint-Esprit dans votre cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit parler en ta faveur auprès de Dieu. Il n'habite pas dans un cœur pervers. Dans il n'habite pas dans un cœur tortueux. Il n'habite pas dans un cœur tortueux. Avant d'arrêter la montée, il n'y a pas dans un cœur fuyé. Avant d'arrêter la montée, mais bénissement. Quand tu dis dans la parole, maintenant, ma femme, ma loba, tu fais prier, on est au bord de là, entre dans ta chambre, soit un coup dans le souk, on a eu. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement la chambre physique. Et la rentre à toi. Et les colobas, ils sont en katina. Alléluia. Amen. L'anatomie de l'homme selon Dieu, c'est notre premier point. L'olé de Moutoua Salema, pour la Nissanjambe, il y a un moyen pour le voir la mission à l'Iboso. Passons à notre deuxième point. Dans l'écrit, dans mon nom, il parle. Le deuxième point, nous allons parler. Il y a mis parler de le Bénantina. De la bataille pour le contrôle du cœur de l'homme. Bidoumba, pour la Koukamba Motema la Moto. Il y a une bataille permanente. Deux temps se dispute ton cœur. Dieu, par son esprit. Dieu, par son esprit. Il fait contrôler. Et dans notre camp, le sein de ces démons veut contrôler ton cœur. Il n'y a pas une position intermédiaire. Ou c'est Dieu qui contrôle ton cœur. Ou c'est le diable. Et si c'est le diable qui contrôle ton cœur, lorsque tu fais comme prière, ce sont des aventures. Si tu as une petite pomme vide, c'est la providence. C'est-à-dire si tu arrives quand même à et tu arrives quand même à avoir un tabac et un peu d'argent. Cela ne veut pas dire que Dieu est d'abord avec toi. Là, c'est pas fait de feu le soleil pour tout le monde. Il a fait seulement pleuvoir dans les champs des bons et des méchants. Alors, qu'est-ce que vous pour t'amener à penser à lui? Le bataille est permanent. Dieu veut prendre le contrôle de ton cœur. Et le diable veut prendre le contrôle. Et chacun peut s'évaluer qui contrôle son âme. Comme toi là, c'est le diable qui contrôle ton âme parce que tu dors déjà. Imaginez-moi cette maman qui dort. C'est la maman qui dort. Là. C'est la maman qui dort.
Donc il est venu par formalité. Donc aïeux mon message. Soit il est dans la sorcellerie. Soit dans la divinité. Soit il est en fouté. C'est aïeux pour le cas. Tout va l'oublier. Parce que ce genre de messages, ce genre de choses ne peuvent être écoutées que par ceux qui ont le cœur de Dieu. Bon, parce que ma mère est abouée. Mon tacolo, il y a beaucoup de choses à monter, madame Zabé. Quelqu'un qui n'a pas encore compris pourquoi il est chrétien, ça l'intéresse. Mon tacolo, il y a bien un peu pour l'année de sa mort Christ. Ma abouée, mon tacolo, il y a été. Aujourd'hui, je ne dirai pas que vous serez bénis. Le long n'a pas le bâtiment que vous ne pas moi. Aujourd'hui, garde ton cœur. Le long, il y a des gens qui ont battu la mort Christ. Il y a autre chose. Pour les camarades, parce que ta réussite en dépend. Pour tes colons, il y a des gens. Nous sommes au deuxième point. Nous parlons de la bataille pour le contrôle du cœur de l'homme. Ton cœur est contrôlé par qui? Soit celui diable qui contrôle. Soit c'est le Saint-Esprit. Alors, pour contrôler le cœur de l'homme, les deux forces utilisent les mêmes canaux. D'abord, la fuite. Et ensuite, l'ouïe. Rentrons dans le jardin d'Éden. Pour que notre Père, notre ancêtre à nous tous, Poète, Tata Rabisso, Coco Rabisso Johnson, Adam, pour qu'il tombe, Poète, Ashwaya, comment les choses se sont passées? Matamboué, Kanaki, Dengenini. Genèse 3, verset 6. La Bible dit au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Moi, si à mon les choses que nous voyons. Influence notre cœur. Ça nous séduit. Ça nous entraîne dans le mal. Ça nous entraîne dans le péché. Il y en a qui, après avoir vu quelqu'un bien habillé, il a commencé à envier aussi. Il a vu quelqu'un être premier au travail, ça l'a amené dans la haine. Jalousie. Il a vu un homme nu, une femme nue, et cela l'a amené dans la convoitise, dans la publicité. Ce que nous voyons peut nous entraîner dans le péché, dans les convoitises, dans la haine, dans la jalousie, et dans beaucoup d'autres choses encore. Ce pourquoi vous devez savoir, c'est que vous regardez. Et j'en appelle à la conscience de la jeunesse. Avec l'internet. Nous sommes tous poussés à découvrir les choses par l'internet. Avec la pornographie. Naba film ya bolongo. Ça va vous amener où? Et comme on a dit, ça va suivre votre pensée. Et ça m'a pas. Ça va vous plonger dans la tentation. Et ça vient dans ma Seigneur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous connaissons la pédophilie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vivons l'inceste.
C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons nos filles n'ont pas honte de marcher à des nues. Parce qu'en regardant ces choses, un esprit vous habite. Souffrez que je vous dise. Les photos pornographiques ou les films pornographiques sont préparés dans les laboratoires sataniques. Et ils veulent démontrer aux hommes que ils peuvent tous avoir les mêmes performances. Oui, c'est la journée, je ferme la parenthèse. Alors que ce n'est pas vrai. Et ces gens qui font ces films, pas seulement qu'ils ont des esprits méchants, des esprits mauvais qui les amènent à faire ce qu'ils font. Ils ont drogué. Et avec ces drogues, ils font des choses extra-naturelles. Ça va créer maintenant dans la tête, dans l'esprit de ceux qui regardent, un esprit d'insatisfaction dans leur propre vie. Et quand ils sont en train de battre la colonne d'ailleurs, le corps va provoquer et ce qui va nous commander mon souci. Ce qui va les pousser à commencer à chercher d'autres forces. Il y a un petit dit la maman à colonne d'abord mon souci. Ou d'essayer à gauche à droite. Donne la colonne d'abord la permettre. C'est ça la bestialité. On a des bonniamans. Où on fait amener l'homme avec ses photos. Oh, basali comme ma moto n'enzera y a bilili wa. Avec ses films. N'a bilili a boi. Ça n'a rien à voir avec une aide au marié ou au couple ou à une aide quelconque. Et Zali nanti nate a bosundi baba la nito li soubi a l'orege moko boi. C'est satanique. Et Zali a satan. C'est démoniaque. Et Zali a batema. Le diable utilisant la vue. Diable n'a conseil la misu. Et bien assis, bien implanté dans l'internet. Afandi la bosundi non sur la carte dans l'internet. Et nous vivons une génération sacrifiés. Nos enfants consultent mieux les téléphones que nous les parents. Tu peux être propriétaire de ton téléphone, mais ce sont des enfants qui t'appellent certaines. C'est bien. Mais il va apprendre d'autres choses d'une manière gauche. Parce que le diable utilise la vue. Parce que le diable utilise la vue. Et Dieu nous aide. Sinon nous allons perdre le contrôle de nos enfants. Dit. Après 10 ans, 20 ans. J'ai une fille de la maternelle. En train de manipuler le téléphone. Il entre dans le téléphone, dit ici je ne serai pas entré parce qu'on a mis la télé. Alors, dit, ah, on a pris beaucoup de temps pour partir pour. Mais le téléphone n'est pas pris, je peux entrer parce que là, il n'a pas mis. Car si le téléphone est attentif, il n'a pas eu de réunion au propos des athées. Et la femme entre, il va sur internet, il appelle les jeux, il joue, tout ça, et voilà. Moi, normalement, la salle du téléphone attentif, la côte internet, dans une jeu, il n'a pas eu de salon. Soyez enseigné. Beauté, amant. Que le diable utilise la vue. C'est ce que Ève n'avait pas compris. La femme vit que l'arbre à manger est agréable à la vue. Moi si à moi d'être tout ce qui brille n'est pas l'or.
Ce qui brille peut t'attirer aujourd'hui et te détruire demain. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que le péché ne sera jamais votre ami. Tu peux le cacher comme tu veux, mais il finira par t'exposer. Il t'expose et te détruit. Maintenant, comme nous sommes assis là, il y a que les caméras du ciel qui voient les cœurs. Comme nous sommes là, l'ange qui a la caméra, il sait voir. Moi, je vois la caméra à la botale. Et les anges là qui parlent entre ils, c'est bon de nous. Bah, ange là, parce que la grâce n'a pas beau, parce que la bisso. Bah, t'as l'air de la guitare à haut. A ce que par rapport à tout ça, t'as la beau. La Bible n'a pas beau. Même mon bal n'a rien évité. T'as la beau, même moi, c'est d'aller à éviter. T'as la n'a pas la quitte. T'as la n'a pas petit grappin, vous direz frère et à ma gomme. Mais dans Boutou, vous allez à Milambade, vous allez mourir dans Zété, vous allez vous pour moi. Nous sommes là, Satan. Qui va contrôler les cœurs? Le diable utilise la vue. Et le Seigneur utilise aussi la vue. Qu'est-ce que toi tu dois regarder? La Bible nous dit, nous nous devons chercher à marcher, à copier ceux qui sont notre modèle dans la foi. Imiter ceux qui ont marché dans la foi. Nous allons les voir comment, par notre lecture des Écritures. Je suis une femme. Je dois lire la Bible pour connaître ce que les femmes de la Bible ont fait comme exploit avec Dieu. Et nous allons les captiver. Et ça va me motiver à poser aussi les armes. En tant que chrétien, en tant qu'homme, je dois m'inspirer du comportement des hommes de la Bible. Des gens comme les Abraham. Dieu lui parle. Et Dieu lui demande à l'Israël officiel. Dans sa sagesse, il dit si je parle avec ma femme sur ce dossier, elle va pleurer et va vertir tout le village. Parce que c'est son unique fils. Et comme c'est Dieu qui nous dirige, et moi et elle, entre moi et elle, entre Dieu et elle, il y a d'abord moi. Parce que ce moi qui a entendu la voix de sortir de Pire à Tchaldé pour aller vivre à Mésopotamie. Elle me suivra. Dans sa sagesse, elle a compris qu'il y a des choses qu'il faut pas partager avec la femme parce que tu vas détruire sa foi. À son sujet, il ne va pas pouvoir la moisir et ne pourra pas y avoir de bon combat de la condamnée. Il va risquer de tenir comme la femme des gens. Ensuite, dans ça, il a compté le nombre de personnes. Si tu lui parles de tout, ce que il y a mis ces lions sur lui pour ça le bon moisir par rapport à la foi. Non, elle est condamnée. Comme la femme des gens. Mais quand tu as compris que c'est une femme sale, au niveau d'Esther, tu peux venir se mettre en que nous puissions gêner. Parce que tu avais déjà l'expérience avec elle.
Que chaque fois qu'elle était à côté de moi, moi Mardoché, je lui montrais ce qu'elle devait faire, elle était docile, elle me suivait jusqu'à ce qu'elle est devenue reine. C'est ainsi qu'au moment favorable, Mardoché a pris le risque d'aller la rencontrer soit par personne, malgré que ça était par personne interposée, pour qu'elle s'engage dans les jeunes. Mordecai a tenu compte à l'aide que j'ai dit dans les jeunes, a tenu compte à l'aide de pas la boquina. Nous devons regarder les hommes et les femmes qui ont réussi. Écouter leurs habitudes. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous les chrétiens, nous voulons vivre selon les expériences des gens du monde. Beaucoup de moi c'est à l'Ibala, à la vie, j'ai la femme, soit son luka, mon choix. Nous devons lire dans la Bible. Et c'est notre temps dans la Bible. Et copier la vie des gens qui ont réussi à vivre. Mais tant que pour la misère, il y a pas de mal au mal à l'ensemble. Si on a tout le monde, on a autant pour la canarde. Par camarade, il y a eu la salade. Ma solo, au solo, là. Ma camarade, il y a ce qu'il y a pour la canarde comportement là-bas. Aux chrétiens, pour que nous soyons allés, il y a Bassi, il y a Banda, pour Elisabeth. Surtout par maman Abisso, pour Batenda Kamisara. Surtout par maman Abisso, Batenda Kassam. Surtout par maman Abisso, pour le Bakriya, Kriya, Mangomba, ce qui manque, le Besso qui mimi, ce qui par habitualité, ce qui mimi, elles exposent leur vie. Pour rien. Vous exposez votre vie pour rien. Et Nicolobani. Et Nicolobani. Et ça, ma cadence, mon côté occupé pour la bataille à l'Ibanda, Babaga, oui, vous vous stabilisez. Et ça ne dit pas la maillot, et ça la pénètre, et là, il y a Babaga. Amen. Rien du tout. Exact. Moi, je suis fier d'être chrétien. Et je suis fier d'avoir des amis chrétiens. Il faut être en contact avec les gens qui ont réussi la vie avec. Il faut que vous avez un long canal. Le deuxième canal que le diable utilise et que Dieu utilise aussi, c'est Louis Matoui. Toi, tu entends quoi? Yo, kanani. Tu aimes entendre quoi? Oligara, yo, kanani. Tu parles de quoi? Olo, kanani. Je vais te donner un conseil. Dans la vie, il y a un groupe, il y a des groupes de gens qu'il faut éviter. Si tu es tombé, tu peux
pouvez noter. Premièrement, les gens qui ont échoué dans ce domaine. Ne cherche pas le conseil. Pour tout la tolina va voter. Si il peut te dire qu'il a échoué parce qu'il a fait ça, tu enregistres, c'est fini, mais ne reste pas attaché à. Sautez à c'est le point de ligne à Zouate. Quand on a dit la ligne à Zouate, qu'est-ce qu'on va dans la maladie? Les gens qui ont échoué. Batoubaï, Bassanga. C'est pourquoi tous les frères de David. Il y a beaucoup de gens qui ont été sans expérience. C'était des combattants, ils allaient aussi à la guerre, mais ils n'avaient jamais remporté de victoire. Ils n'avaient pas les conseils à donner à la vie. Une chose que moi je combats toujours dans ma vie, c'est la peur. Et l'autre, comment la police a vu dans ma vie, mais elle est au Bamba. Pour ceux qui ont déjà fait au moins 20 ans avec moi, ils ont déjà compris que moi, je n'ai peur de rien. Quand je m'engage à travailler pour Dieu, j'avance et je ne recule pas. Ceux qui ont continué à bosser la bosse, ils ont besoin de la cimetière. Je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai pas peur des démons. Parce que je ne me bats pas avec eux, avec ma force. Mais je me bats contre eux avec la force qui est en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. Ce que j'ai dans ma bouche est un démon. Pourquoi la Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui a la foi ici? Qui a la foi, clame le Seigneur. Olala qui n'a pas. Fenêtre à Kokana, vous pouvez continuer. N'a pas de côté pour tout passer. On a oublié de parler de mon Seigneur. Frère, non, de mon père, je sais qu'il y a. Au lieu de l'eau, au lieu de la lobby, au conseil à combien de temps. Et puis, pour nous, au bas de mon frère, qui a des mots en bas, tranquille. Au lieu de t'occuper des démons, occupe-toi de ton cœur. La tire à côté de la démon qui veut démonter Manayo. Que Jésus règne. Jésus a causé. Ce qui a sorti, c'est fini, tu peux dormir comme un bébé. Ça, c'est son travail. Voilà, mais ça, c'est pour Christ, le Seigneur, l'éminente, même sur la pasteur, vraiment, dans un acte, il n'y a rien. Vous avez vu, on a dit aujourd'hui, mais l'unité de celui qui a des mots, on a dit dans l'église, mais il y a un acte. Ça m'a pas, pour faire quoi, ça n'a pas compris. Ça n'a pas compris. T'as vu, mon bout, tu vas avoir pour le bas. Un père, les bandes à côté de Saradini, les bandes à Jésus, à quoi vous bandatez? Amen. Par chrétien, par quoi vous bandatez? Amen. Ce qui pense, il y a des mots à remporter la victoire et à monter Manayo, à Fanda, il faut m'en sous Baba. Acclame le Seigneur. Nous avons parlé des gens qui ont fait quoi? Qui ont échoué. Tout le monde a dit la bataille, les batailles, la bataille, la bataille, la bataille, la bataille. Troisième personne. Bataille. Dans la vie, il faut éviter les gens qui vous parlent toujours des mal des autres. La vie, Boya Bato, Baton, Gara, Bandinga, Namabe. Tu vois, pour terminer,
famille de Zagano, oui, mon goût. Oui, mon ton. Tu commandes pour toi deux fois dans ma soeur, il y a bon mot. Pendant que tu es marié. Soit tu es dans la chose, soit tu es parti. Femme là dans la partie. Pour ceux qui vont faire, ils ont pris sur l'idée. Ceux qui vont partager, tu reçois les idées qui nous font, oui, au bon ministère pénal. Dans le ministère, dans le tombe, mon épouse est témoin. Moi, si je suis un témoin. Beaucoup de mes amis. S'il m'apprécie, c'est dans les partages que nous faisons. Plusieurs d'entre eux reviennent pour me dire, cette pensée que tu m'avais partagée m'a aidé à stabiliser mon vie. Maintenant, vous devez me poser la question, je voulais te dire, t'arrives aussi de tomber dans le péché. Moi, ça y est, côté de ma côté, ma pensée est ça. Et c'est comme la grosse soupe qu'on a fait. Il dit bien sûr. Mais c'est moi, je suis très souple. Quand c'est mal, elle est souple. Je fais la respiration spirituelle à chaque minute. La salle à la bénédie. La salle à la bénédie. La bénédie pour vivre dans la distraction pendant 5 minutes. À chaque minute, la salle à l'esprit, elle a éveillé que mon téléphone là peut sonner. On m'appelle pour une délivrance. Il y a pour soto, il y a sanité, il y a ma soupe. N'a pas qu'il y a noté, mais il y a une délivrance. Ok, nous sommes à la délivrance. N'a pas qu'à mon amoté, mais au plus, on a ma malade. Il y a moi dans la salle, nous sommes pendant 40 ans. N'a pas qu'il y a un démon, après, il y a un démon, 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 il y a un jamais. Pour la chose, ça l'est fort, pour la voyer, qui contrôle mon cœur? Amen. Tu as compris? Acclame le Seigneur. Alors, celui qui te parle toujours des autres. Auprès de toi. Sache que c'est ce qu'il fait avec les autres. C'est un faux Dieu. Le véritable Dieu te montre ma capacité sur la pouvoir de la Amen. Et ce qui a su faire pour la Kisayo, c'est qu'à ça, ça m'était pas prévu de votre résolution avec le Bouddha pour enregistrer. Le puissant de Jacob. Ne se limite pas seulement à te parler de la vie de Jean. Mais il doit surtout parler de ta vie. Quand c'est Seigneur à l'opéra, il faut la vie là. Vous savez, comme mon bureau est au bord de la grande route, je reçois souvent des gens ici qui viennent avec des messages. Quand j'ai passé, j'étais à la montagne, Dieu m'a parlé. Bon, moi, nous voilà, mais on a mis un peu dans la barre. Mais là, tu vas voyager, ça sera une grande église. Voilà, ça m'a envoyé. Mais c'est dès le début, il y a dit un mot. Vous avez dit, ça m'a dit que vous voyagez, vous avez un grand serviteur. Dès le début, il y a dit un mot. Il y a dit, ça m'a dit, ça m'a dit, ça m'a dit, ça m'a dit,
Sarako. Et l'autre, il y a des gens qui sont en voilà! Je vais comprendre que ça va nous dire. Mais vous voyez, vous avez dit, oh, ça va vous faire la bitumba, le ministère que j'ai, c'est le ministère de la délivrance. Pour ma spirituelle permanente. Mais le secret, qui contrôle ton cœur? Si c'est Jésus qui contrôle, tu auras toujours la victoire. Pérétrette Oyo, victoire Oyo Kosoa, sur tes ennemis. Pour ça, la paix, il faut réveiller. On va rien pour confesser ma maman. Amen. Est-ce que la civilité, c'est la plus forte au Québec? Le groupe, ma troisième. Ma troisième. Déjà, le groupe, mon groupe, il y a pas de problème avec la carte. Les gens qui ont l'amertume dans l'âme. Je vais vous dire ça, ma maman. Ils ont des blessures intérieures. Je vais vous dire ça, ma maman. Alors, ma blessure, voilà. Et ça, par rapport à ma camouba vivra, par rapport à ma camouba à la barbe. Comme comportement, on est à la dernière. Baboukana, yon père, oh, il n'a pas tout le monde, mais ça n'a pas de problème. Par contre, si on sait, est-ce que l'association Yabatou, oh, yon bazoka, l'amertume est contagieuse. Ce qui toi tu as des problèmes avec X, ce n'est pas mon problème, je n'entrerai pas là-dedans. Voilà pourquoi tout cela va conflit à l'été. Ce qui est bon, Tika, pourquoi cela va conflit à l'été? Ce que tu peux vous dire, ça va l'été, pour que tu vous dises que ça. Pourquoi tu as un conflit à partout? Pourquoi tu as un conflit à l'état? Ça va bien. Non, ma écoutez bien les mes enseignants. Comme vous êtes ici tous fidèles à Jésus. Membre de cette église. Membre de la communauté. Que personne ne se considère comme mal aimé. Que personne ne se considère comme privilégié. Vous êtes tous enfants de Dieu. Avec votre péché, avec votre justice, c'est Dieu qui vous a béni. Maintenant, mon travail sur lequel c'est de vous parler à tous avec amour en vous disant que Jésus est venu. Autrui, vous êtes chez vous, chez votre père. Vous n'avez pas la vie dans la tête. Que personne ne te considère. Mon côté mon pamba. Devant Dieu, nous avons la même valeur. Et devant moi, votre père, vous avez la même valeur. Et chacun travaille pour sauver son âme. C'est comme si vous ne me comprenez pas. On dit que vous êtes sur la tête quand on est sur le pas. Au moins, dès que la tête est plus longue, la tête est plus longue. Pour la vie. Parce que l'objet qu'on a mis, ils ont des parts dans le ministère. Est-ce que vous avez un mot? Je vois ça, c'est un mot qui est un mot qui est un mot. Au salaire, il est pour moi, on a proposé la colonie, pas au tout maman. Mais pas au tout maman, pas toi, on a fait ça au front, on a fait ça dire dans l'église. Yo, là, t'as pas trapat, n'a pas peste, y'a bon, y'a pas de loi. Mais est-ce que vous travaillez pour la salut là-bas? C'est pourquoi j'ai peur de perdre une âme. Ça, pour l'exemple, ce n'est pas tout le monde là. J'ai peur de perdre une âme. Mais si je ne peux pas m'associer avec une âme pour critiquer une autre âme, c'est aussi la même chose. Si vous avez compris à travers le Seigneur, nous nous avons dit à Banga que pas pour dire dans ma canicité, il y a que interroger sa bête afin de sa santé. Parce que Satan, dès que nous avons l'amertume est contagieuse, nous devons être au cas pour ça, tout, il y a d'autres au cas. Il y a quelque chose qui est pour mon ami, il y a personne qui est là. Ce qu'on dit, c'est que nous avons dit,
La bataille pour le contrôle du cœur de l'homme entre le diable et le Saint-Esprit. Ils utilisent et la vue et l'ouïe. Faites attention avec ce que tu entends. Faites attention avec ce que tu vois. Je passe au troisième point. Le troisième point de notre message, nous allons dire que la prière sur le travail de l'âme. C'est-à-dire le cœur et le laboratoire qui sort la prière. Quand tu vas commencer à parler devant Dieu, Seigneur, 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 il ne sera pas impressionné par tes paroles. Par ton bon lingala ou ton bon français.
verset 3. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Et les Nicolobanis, penchants et Nicolobaboui. Au côté de la retraite, mais vous allez la garder pour Tiakanda, vous allez la garder. Vous allez la retourner, vous allez la retourner. Moi, Milambo. Finalement, il y a des autres qui vont faire ça. Vous allez continuer pour ça l'amour. Et surtout que, au moment que vous allez faire ça, au moment que vous allez faire ça, vous allez s'imiter. Non, vous savez peut-être pas foutu au mes salaires, mais entre-temps, ma camona yo a l'air pas bien, qui continue. Mais aux autres gênés, les penchants. Bon, t'as où il y a mon thème? Faiblesse, oui, aux Akanamo, banda pour moi. Oui, et bani, mouti à banda. Et yo, je vous sois à basso pour kakate. Je vais vous faire un peu de l'okouta, les penchants. Dans 4 semaines, on va dire que vous avez besoin de ce qu'on a dit. Nous avons encore des 4 semaines, alliés par les penchants et les amis. Nous avons combattre encore dans la prière. Nous avons tous ensemble. Nous avons encore des côtés qui ont été envoyés pour la vanille. Voici le jour de jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Tala mokolo na mokila. Vous allez kola na botao na bilo. Deuxième chose. Y'a bien mal. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Mais vous allez kolo ben la kanda à vos mercenaires na bilo. Y'a bien mal. Et vous allez kolo kondamé. Mouto a salé le homme sa la foutaille. Mouto a laé kose ka moussale par aïe. Aïe quoi gâte à ma fleur, aïe à ce que la bâtisse, à ce que la toilette, aïe quoi ce que la moutique à maillot, aïe quoi ça la moussa la somolo foutaille. Pour le canapé 4000, pour que ces 4000 nous ont discuté, frère, est-ce que c'est normal? Non. 4000 euros pour la presse à nous moutique. Les autres sous à l'île. Mais si moi, papa, mon voyou, quand il a mon toilette, tout ça, la salle à la Atali papa wana denga sa jarubi. Olubina peso wini, nonsara na peso wini. El balimba pese dimi, mwasayi. Ebele mele bo yamni. Ah, mama. Na yon nan yon kapa apazo lubate ebele mele kala ba mama. Asolo. Kali. Basi po nan bongo. Bano pa iske za verite. Asolo. Bantou baya kousa la misala na bopa. Mou fouta kaba. Ba mama kono ba me. Amen. Ba papa pe, ba oula sobo la la vintou ka, wa sali si yo mouli na mouli. Fouta ka yye. Na bon te koko diskite, me diskite yi baga bia zamu. Yeso. So ki oke na magaze ou kouti chinois azote belo, ou diskita. Me mama azote kaba te bele. A outi na kona mouti mouli na mouli. Yo cherchez vos chers voilà combien 500 francs le mec si l'on a descend donc quand il s'en transport à tamboli ma peau dans au monde de la prochainement ce que ma parole est à ma tête de la ya sobi pour y aller sur ma tradition que c'est ma tradition à 500 francs la somme elles ont besoin de 500 pour la fois passée au plus c'est ma tête de mourir bien elles ont vendu aux autres ça ma peau qui s'accorde ma montée ma naïo pour y aller à la salle. Troisième, pour les abats, elle est condamnée. Verset 4. Voici, vous gênez pour discuter et vous guérir. Au soir,
Ce qu'on voit pendant les très tôt, les gens qui ont été au long, au soir. Et ça, pour la moussou, ce qu'on a dit à la bisque, et les gens qui ont été au long. Pour ça, dans la même taille, pour provoquer au moins les gens qui ont été au aussi les gars des lycées et caca, nous sommes loin. Au moins, nous sommes au 4 pas ce que vous avez dit pour 4 pour l'équipe. Que vous soyez 4 ans. Aussi, quand est-ce que vous commis au côté d'un dame au bimi? Aux hommes au bimi. Il est vraiment à mon monde, il est. Ce qu'on a vraiment à la famille Jésus à l'époque. Je prends ta tête. Et futilité. Ta papa. Pas la misère, vous foutez à la bande pour la bisso. Toujours dans le verset 4, dans la soukawana, après qu'on soit les amis, frappés. N'est-ce pas que ça n'a pas été au Bunda? Il y a quelqu'un qui a été au Bunda, qui a été au Bunda, à télé. Donc, maman, on s'en fout. Tant qu'on s'en fout, on a été à télé, on a été au Bunda. Au Bunda, on a été au Bunda, on a été au Bunda. Ça n'a pas tant. Au Bunda, il y a une chose. Makamoyo Zamba a condamné par des Konabiso. Dieu ne veut pas que vous soyez en conflit avec les autres et que vous puissiez venir prier. Zambé a tenté de poser la question à la Bible et si Manamoko est au bon de là. Dieu ne veut pas que vous ayez un comportement indélicat, un comportement pas catholique, et que vous puissiez venir prier. Zambé a donné la visite à l'imabé. Là, vous allez compter seulement les années, nous sommes magistères, nous sommes les fils de Pasteur Richard. Alors qu'au fond, vous êtes dans vos histoires à vous. Wana bobota ka bambula bozala na jisere boko pango mateo tozali ba na jisere ba na pasteur Richard zoka ndema kamola bino ne zoka kamino voilà dans le vrai jeune les choses de Dieu qu'on a na na kokina ya solo makamoza pa zote le mela voilà les choses que Dieu recommande dans les jeunes makamoza pe azali ko solina ezala na kata kokina première chose yani boso verset 6 monoko na boso voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Chaînes et la méchanceté. Parmi vous, si qui est méchant? Qui est méchant? Je veux vous aider à vous découvrir. Dans le sous-marin, dans le voyage, dans le sous-marin. Ce qu'on
Je n'ai pas de temps à perdre à Colanda. Parce que je vais dire,
Détache les chaînes de la méchanceté. Quand on a passé la canne, pourquoi on a l'eau des ablardés, des athées au bin, alléluia, même moto, moto, l'eau côté de la loi. Détache les chaînes de la méchanceté. Quand on a passé la canne, toujours massif. Quand on a moto d'avant, c'est que Dieu recommande. Oh, Zakazolika. Dénoue les liens de la servitude. Fongola masina ya bongamba. C'est-à-dire les gens qui ont un yo pour ça, la tout côté, avoir la position qui n'est pas souffrir. A yok. Les gens que toi tu fais tout pour les mettre dans une position de souffrance. Mon frère, si tu veux voir le ciel. Ma soeur, si tu veux voir, tu veux voir le ciel. Donne-toi le devoir de rendre le sourire à toute personne qui te connaît. Au moment où tu as un serviteur, 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 l'animation, il faut y avoir de corriger la parole, l'animation, la fraternité, tout ensemble. Climat Wara, il y a un peu rapporter ça dans vos maisons. Bon, mais Mayango, climat haut, nous allons parler de la salle dans Zabé. Il y a un peu de salabango. Beaucoup de salabango qui n'a pas de salabango. Ramenez ça dans vos églises. Pourquoi c'est à moi la bêtise, Nabino? Et c'est pourquoi moi j'ai toujours été très content quand je vois des gens qui travaillent dans une commission, un même département, sont comme en famille, car la joie. Ben, agissez, mais ça, au monde de la vie. Moi, Nabino, j'agissais, c'est que ça, pour ta boule, à l'île de la carrière. Naï, ma vie, naï, la boule, ça, il m'a bêté, la boule, quand c'est la boule, il m'a bêté. Amen. Ma camarade Banoula a posé la taille, elle regarde si on est avec lui. Si on est avec lui. Donc quand tu es avec les amis, c'est le sourire. Quand vous avez parlé de ces deux, c'est moi ça. Quand tu es à l'église, c'est le sourire. Quand vous avez l'église, c'est de ces deux ça. Mais ce que vous tenez là, mon écoutant, vous trouvez la voie similaire. Modèle ou à la vie, à l'écoutant, ça a suscité. Mais la regrette pour le coup de Yemoko, moi n'agissais à ce que ça montait malaï, mais beaucoup par Bouna Bakouzoa, à Isablat. Amen. Renvoie libre les opprimés, et puis rompre toute espèce de joug. L'ongola posito, y'a l'olengénion son. Ce que moi, mon oiseau souffrait, quand il y a la souffrance, voilà, et même ceux des animaux, mon oiseau payait pas, ce n'a été. Qu'on n'y m'arrête que vous allez perdre dans votre oiseau souffrir.
vous avez trois, quatre pantalons. Le moins qu'on est même pour vous avez un peu de bonnes pédérées. Amen. Comme nous sommes bons, on a eu peur sur nous, Jésus. Bon ami, pour vous en avoir payé, et sa sécurité, mon côté, mon côté, pour vous faire petit à l'heure. Et ma conscience, ma poule est là. Mais je crois que vous avez un peu de temps pour vous faire un peu de temps. Amen. Amen. Quand il m'a dit que moi, je vais souffrir de la peine, je vais vous faire un peu de temps. Je vais vous faire un peu de souffrance. Pour la moitié, je vais quand même aider une personne aujourd'hui. Pour se dépêcher. Il faut rompre toute espèce de joug. Et ça, il y a un peu de temps. Il y a un peu de pour demander que nous devons souffrir. Il y a un taille au monde au salé. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et dans la bataille, nous sommes sur la vie, nous sommes comptés déjà dans le meilleur. Ceux qui ont eu un peu de temps, ils ont dit que nous sommes comptés dans le meilleur. Ils ont eu un peu de temps. Ils ont eu un peu. Quelqu'un qui a faim, qui entre chez toi, et parfois il peut demander ou ne pas demander, mais ce que mon gars Gaza nous dit en Zara, partage. Peut-être, il y a salué deux, trois jours. Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu. Partage, mon frère, partage, ma soeur. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Total à nombre de boules, à nombre de têtes, il y a pas la tête. Ce que vous avez africain, ce que vous avez en Asa. Pour la mieux, on va pour les gars. À propos, il y a. Amen. Pour ce que vous avez en nombre, il y a pas de la porte de l'élite, par où des manates. Pour l'élite, pour la volatilité. Quand on partage son pain, on ne pourra jamais mourir de faire soi-même. Surtout quand on est dans mon île, on lit pas. On continue à la parole dans la salle, on continue. Fais entrer chez toi, dans ta maison, les malheureux s'affaissent. Bado, Bazan, et si la parole, la Bado n'a pas si, faut dire ça dans mon île, dans mon île. Loger ceux qui n'ont pas où dormir. Fais ça, et si la parole, la Bado n'a pas si. Si votre maison est petite et que vous avez les moyens pour faire louer même quelque part, ceux qui sont à votre charge, faites-le. Ce qui n'a pas les amontés, car ce sont dans ma boîte à cause de la table, on est dans la boue, ça l'a y avoir. Nous sommes dans un monde des capitalistes. Vous allez dans mon bureau, on va trouver la table à intérêt. Nous vivons presque tous avec les moyens de bord. Ils sont tous venus pour vivre à la main, vite, vite à ma bord. Celui qui peut dire qu'il est millionnaire ici à Gisère n'est pas encore là, ça viendra. Oh, il y a encore le bâtiment, il y a un bon moment pour les capables à Gisère, à la main, parce qu'il y a un bon moment à Gouya. N'attends pas d'en avoir plein dans la maison et plein dehors pour aider. Vous avez la tête et est tombé dans la main pour payer du mal, il m'a demandé où il y a un soumba. Mais Dieu va plus loin à dire, partage même ta propre subsistance. Zambazo qui est le Kambola a la moitié où il est calibré dans le Kambola et à mon abonné à Zambi. Ce qui au Pessi, il y a un mot de l'évidence de l'Okubika. Parce qu'il y a une subsistance. Au verset 10. J'ai arrêté dans le dernier passage. Je vais vous parler de la vie. Pour mon corps, la télévision, la YouTube, les mobiles, mon corps, un grand homme d'affaires dans le cannabis, à Koufi, pour la natation, la Katina Mari. Et ça, j'ai beaucoup de mal à faire ma parole, ma petite Katina Mari, tout ça. À Bélité. Mais c'était un millionnaire. Moi, je n'avais pas été millionnaire.
Que sert il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Parce que c'est une sémence. Les endommages. Oyo salé maman ya boti, oyo salé papa ya boti, oyo l'homme il parle avec le papa salé. Amen. Ils sont pas nos tokoli dans la difficulté. Au bari de sala, toujours dans les difficultés, tout ça n'a pas moyen de nous sauter. Mais par où qu'il n'est pas limite, car la vie ouana y a souffrance. Est-ce que vous en comprenez? Oh, vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là, vous vous souvenez de ma parole à la vie, non? Ah, il peut être là, papa, pour la loi. Même si vous avez dit, il est là, il est là. La loi, la bande. Bisso, bah, tout courir la souffrance. Tout le monde n'est pas la vie, pense. Maman, mon papa, mon. Ce que nous sommes dans ce papa, la vie, sur la tamboli, la pantalon, mon commis barré, ma coute, mon commis barré, pour être mis sur nos totales. Nous sommes sur tout, tout si l'histoire de l'humanité, nous avons des problèmes d'État. Papa, la tamboli, il y a salaire, il y a l'État. Tout si l'histoire, quand la vie, sur et bien, nous sommes par la Bible, tout ça, l'université. Nous sommes dans la salle à l'aïe, à l'Ifara, avec même chose, nous sommes dans la santé. Mais par mot, par ça, la vie, on a la souffrance, dit les lots, par mot, vous ferez la vie, on a. Par vivre dans la table et la vie, tu par tamboli, la vie, tu as mis tout bâté. Mais par nous, on a dit, par nous, on a dit qu'on a mis ça. Parce qu'on a mis ça, par un jour, ton premier. Donc, pour nous concentrer à la couleur, la base de la vie, c'est la base de la vie. L'autre chose, ça va mourir, les amis. Les amis, la vie, c'est la vie sur la table. Pour autre chose, ça, dégouiller la vie. Pas la vie, c'est la vie. Ça, on va vous dire, on va vous dire, on va se concentrer sur les femmes et les enfants. C'est pourquoi, biso la tambour. Faut accompagner ma parole à Bissot, la vieillesse, ma bambo, na moukéro, tous à la mot, pour ma monnaie, vous trouvez un mot mérité, na moussala, ma salle, vous bissot, tous à la mot. Si vous êtes d'accord, acclamez les seigneurs. Et côté ma madame et ma mélaka, wana, être d'abord reconnaissant envers ceux qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes. Moi, mon père me disait toujours, je dois faire un effort pour bien parler français. Fais un effort pour bien écrire. Je peux vous dire que je commets rarement des fautes de grammaire quand je. Il n'a pas eu sa vie, mais ceux qui n'ont pas eu pour moi, mon canard, ils allaient rare dans sa faute. Alors, quand je revenais de l'école, il me parlait en français, quand je suis là, Chigawa. Je suis incapable de lui payer par rapport au travail qu'il a fait. La méchanceté aussi, c'est oublier les gens qui vous ont aidé. Ma belle à mon temps, ils allaient pas commencer à la vie. Nous
devons partager notre pain avec eux. Nous devons penser à leur logement, ils doivent habiter dans de bonnes conditions. Et nous devons aider tous ceux qui sont à notre charge pour ceux qui ont notre sang. Nos frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que nous sommes dans des familles. Et nous devons aider aussi ceux qui sont avec nous dans la foi. Fais entre chez toi. C'est quel verset? Verset 7. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Quand tu vois un homme qui couvre de cela me dit, nous devons habiller ceux qui n'en ont pas. Même ceux qui ont l'âge de la lutte, mais ils ont quand même là et là-bas, à l'obit, à Bota. Est-ce que vous êtes là? Très bien. Je suis là, 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 je suis là. Alors la dernière chose parmi les recommandations, et donc partout, sa recommandation, ne te détourne pas de ton semblable. Et toi, tu étais à mesure de l'aider, mais tu as refusé parce que tu es méchant. Tu es sous la malédiction. C'est vrai. Si c'est difficile pour la mission, pour la vie, Jésus n'a pas fandaté. Jésus n'a pas gagné à moté. Il y a quoi les abas pour la vie? Mais tant que Jésus a gagné à moté, aujourd'hui j'ai un problème. Ok, la foi à moi. Mais ce n'est pas un problème, je voudrais maintenant terminer. Les conséquences d'un bon jeune. Alléluia. Si tu acceptes ce que je viens de te dire, si tu acceptes les recommandations que Dieu donne pour le bon jeune, si tu corriges ce que Dieu condamne dans les jeunes, voilà les grandes promesses que Dieu te donne dans ce jeune. Cette promesse merveilleuse pour un jeune réussi. Il a première conséquence. Au verset 8. La lumière poindra comme l'aurore. Tu vas commencer à voir clair dans la vie. Si tu ne vois pas clair, mon frère, c'est parce que Jésus n'a pas encore gagné la bataille. La gloire de Dieu va t'accompagner. Dans ce que tu fais, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu sur tes enfants. Tu verras la gloire de Dieu sur ton mari. La gloire de Dieu sur ta femme. La gloire de Dieu sur tes projets. Et si la gloire ne descend pas, parce que la méchanceté est en train de bloquer. Quatrième, quand tu crieras, verset 9, alors tu appelleras le Seigneur et il répondra. Pendant cette retraite, tu te libères de la méchanceté. Quand tu vas crier, Dieu va répondre. Au moins
dédicace de ce temps. Nous allons inviter tous nos enfants qui sont éparpillés dans le monde. Ceux qui sont en Angola viendront. Ceux qui sont en Angola viendront. Ceux qui sont en Afrique du Sud viendront. Ceux qui sont en Bougima viendront. Ceux qui sont aux États-Unis viendront. Ceux qui sont en Europe viendront. Ceux qui sont au Canada viendront. Nous allons les prévenir tous. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Alors, il dit, il
verset 12. Les tiers rebâtiront sur des anciennes ruines. Alléluia. Les tiers. Voilà. Ici Dieu parle de la postérité. Ta postérité va vivre une bonne vie. Tout ce qui a été détruit dans la vie de ta postérité, tes enfants, la restauration, tes enfants, l'établissement, tes enfants, l'élévation, quand on dit qu'il faut rebâtir les ruines. Et pour terminer, voilà aussi ça. Le dernier avantage de cette retraite. Bon amour, bien sûr qu'il y a une retraite. Ça parle de ta postérité. Et je le garantis en bon temps, ils vont vivre quelque chose de spécial. Au fond, on a un long moment spécial. Sera quoi? Verset 14. Alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Il te fera monter sur les hauteurs du pays. Et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Alléluia. Amen. Ici, les jeunes parlent de l'héritage. Quand il a des autres matins à Liboula. Pas n'importe quel héritage. Liboula y a pas de combattre. L'héritage de l'alliance de notre père. Liboula y a alliance et à tata d'Abisso. Mouto et Zalikat l'alliance et Abraham. A commené à Néoa la Néoa la Tess. Mon papa n'est pas Abraham dans le Baganaïe. Je rendrai ton nom. Grand. Amen. Mouto et Zalikat l'alliance et Abraham. A sa mouto y a un tombeau de la Mouniataïté. Pour m'aider l'homme qui touche Abraham, tu me touches moi les pères. Aussi bien Abraham, aussi bien Zambien. L'héritage. Les poulains. Tout ça n'a mon cas en Abraham. Les amis, héritage lié à l'alliance. Alors, et la Bible dit, même si nous nous devenons infidèles, l'Éternel, qu'il garde sa fidélité. Qu'il garde sa fidélité. Quelle joie d'être enfant de Dieu. Quelle joie d'être dans le Seigneur. Et pendant cette retraite, nous voulons vivre l'explosion de miracles dans nos vies. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et notre Dieu ne vieillissera pas. Voilà. Nous avons
Mais si on souvient que nous avons mon aïeux, nous avons les malakas. Mais la série mon aïeux est la cantaille. Pour ça, il y a le sang, et puis j'en ai mis la cantaille. Ma pêche, moi, ils ont été rentrés, tout le monde, mais ils ont toujours été rentrés, ils ont toujours été aussi. Ça, mais Nana, ça a toujours voilà la présence mon aïeux. Pour les monnaies, sur la nagaï, la vie nagaï, la ligne qui est régaï, la monnaie claire, la vie nagaï, la retraite pour eux, par orientation claire, au lieu, on peut s'en aller pour la monnaie d'ailleurs, terrible la potable là. Veuillez la bénédiction à cet esprit au bord de lui. On est là, ministre Manoa,